Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Tu te combo, à sangue combo, oh du meyawa, à galébewa. Product de la manga belle. Vraiment, petit frère, calme-toi. Ah. A été pendu parce pour cette terre. Nous sommes les pacifistes. Maman. Nous sommes des autochtones. Qui peut accepter ça? En deux paix, un hôtel sur le terrain privé. Jamais de la vie. Jamais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? C'est sous la pluie qu'ils ont décidé de faire entendre leur voix. Hey hein? C'est quoi? Un nouveau décor improvisé au forceps par des engins ce matin. Ces espaces de commerce de la rue Besseke à Douala sont dès lors des amas de fer ou de béton. Quel peuple est n'engue, le peuple est va se comprendre, t'es tout pousse. Quel peuple! Je demande c'est quoi le problème? Qui peut accepter ça? En deux paix, un hôtel sur le terrain privé, avec des papiers, avec des titres fonciers, légaux. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Vraiment, c'est malheureux. Voilà, mais calme-toi, t'es fini. L'histoire de Savavosbo s'écrit où? Point d'interrogation. On a été expropriés 4 fois. Ah bon? Et la route est passée. C'est d'utilité publique. Les rails sont passés d'utilité publique. Hey! Dans ce pays, mon frère. C'est pas un hôpital, c'est pas une école. Il est temps que je quitte le pays. Vous aimez voir avec les yeux? Parce que dès qu'on vous parle, dehors, c'est rien. Je maîtrise. Pourquoi vous manifestez alors? Il y a eu filouterie. Hey! À quel niveau? Au niveau du code de d'expropriation. Ah bon? Comment ça? Explique-nous un peu. Parce que l'expropriation a un code. Ah bon? Ce code doit respecter. Mais oui, c'est clair. Mais c'est pour développer votre ville, non? Ou en quoi raison le pays, non? Nous ne sommes pas contre le développement d'une ville. Mmh. Le développement d'une ville entraîne nécessairement le développement d'un pays, d'une république. Ça, c'est clair! Voilà que tu parlais déjà bien. Est-ce qu'on fera la force avec l'État? Mais à partir du moment où les raisons sont données pour but d'intérêt d'utilité publique, oui, et qu'à la suite des enquêtes, on constate que ça n'a rien d'intérêt d'utilité publique. Quoi? Hey, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas bien. Ce n'est qu'un groupe de personnes qui est à sa tête, un individu. Qui ça? Hey, mon frère, tu dis quoi? Ce n'est qu'un groupe de personnes qui est à sa tête, un individu. Hé, hey, donc tu veux nous faire comprendre que c'est un individu qui a acheté tout un village? Oui. Non, mon frère, ne ris pas. Ça devient vraiment sérieux. Et ça s'est passé comment? Ils ont collecté assez d'argent et ils ont décidé de construire un hôtel dans la ville de Douala. Sacrilège! Donc on détruit votre village comme ça pour construire l'hôtel? Allah! Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. C'est vraiment triste ça. C'est compliqué. Non, c'est déçoit, je suis déçu. Voilà, pour tous ceux qui ont perdu leur domicile et qui seront de nouveau en chantier, au moment de la couverture, n'oubliez pas d'aller rapidement chez Sojetol, commander vos tôles. Sojetol. Il y a des sociétés de tôle au Cameroun, mais il y a une société, Sojetol. Sojetol est une société de fabrication des tôles. En fait, la maison mère est en Italie, mais ils sont basés dans plusieurs pays, particulièrement au Cameroun. Ils sont basés au niveau de Corom, en face GP Music. Donc, si vous avez besoin de faire des couvertures pour vos maisons, vous avez besoin des tôles ondulées, tôles bas, toute qualité de tôle, rendez-vous rapidement chez Sojetol. Sojetol est la société actuellement qui fait des meilleurs tôles, qui peuvent faire 100 ans, 150 ans sur vos maisons sans dégradation, les gars. Courir rapidement chez Sojetol, c'est la meilleure société de fabrication de tôles actuellement sans concurrent. Ok. La seule chose qui nous reste au Cameroun, c'est Douala. S'ils veulent prendre nos terres, qu'ils prennent nos terres d'une manière honnête. Ce n'est pas parce que l'individu a corrompu le gouvernement. Quoi? Ce n'est pas parce qu'un individu a corrompu le gouvernement. Allah! On a souffert! Voilà, mon frère, quelles sont tes intentions par rapport à ce qui arrive à nos frères Sawa? Jésus a vu qu'ici c'est pas le Cameroun le côté-ci. Godness! Quoi? Jésus a vu qu'ici c'est pas le Cameroun le côté-ci. Ferme ta sale bouche! Hein? Et vous, le père? Ce n'est pas bon! Imaginez un peu. Moi, je suis dépassé. On est fâché, ce n'est pas bon. Ok, et toi la mère? Je suis déjà vieille pour répondre aux questions comme ça. Hein? Le père, tu entends ça? Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Vraiment, mes frères, ça va. Que Dieu vous garde. Hein.
beaucoup de courage. Je te dis que... Le Cameroun. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.